Audio Jungle. Salut à tous, c'est Cyril Benzaken pour Édition Limitée et on se retrouve tout de suite dans l'interview chic et décalé. Sans hésitation, je serai Hunters parce que j'aurais rêvé d'assassiner des nazis. J'aurais été Angelina Jolie, tout simplement parce que j'aurais adoré porter ce nom et je crois que j'aurais bien aimé me taper Brad Pitt si j'étais une meuf. J'aurais été Bangkok parce que la boxe thaï et aussi parce qu'il y a ce mélange entre la street food et le luxe dans les grands immeubles. Cyril Lignac, il y a juste à changer le nom, c'est plus facile pour moi. Richard Orlinski. Ce serait ma première finale de championnat de France que j'ai faite à 19 ans et où j'ai mis KO mon adversaire sur la dernière seconde, sur le gong de la fin du combat, que je perdais et du coup que j'ai gagné. Ça serait sans hésitation une soirée vogue que j'ai fait il y a quelques années et où on a dansé avec Kylie Minogue, c'était ouf. J'aurais été la marque Richard Mille parce que je mettrais au défi la marque de créer une montre qu'on puisse porter sur un ring dans un combat comme on peut la porter sur un match de tennis. Je pense que j'aurais adoré être comédien. Eh bien, le 16 mai, rendez-vous au Grand Palais éphémère pour mon prochain championnat du monde. J'aurais été une tenue bien ample, bien large, dans laquelle je peux toujours mettre un coup de pied au cas où il y a besoin. Toutes les choses relatives à la Saint-Valentin, ça me gonfle. J'aurais été sans hésitation la collab entre Yves Saint-Laurent et Everlast, la boxe, le luxe, on adore.